Yo et bienvenue dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, citronner ton meilleur pouce bleu. Si t'aimes les histoires d'horreur, tu peux également visiter ma nouvelle chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur, le lien dans la description ou en forme vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel, donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu. Et comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans une vidéo des situations. Et c'est parti, on commence par les screens. Comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer une image, vous pouvez l'envoyer au mail qu'il y a dans la description. Et pour les messages, c'est sur les situations directement sur MSP. Et c'est parti. Et pour le premier screen, je pense que c'est assez évident, mais le pseudo, il me semble, en plus, c'est Xmimi, non? C'est Xmimi sur le screen. Je suis pas trop sûre. Mais en tout cas, on voit pas le niveau, on voit pas le pseudo et on le voit pas non plus en bas à gauche là où elle s'affiche. Donc c'est un petit peu chelou. By the way, elle a pas l'air trop inquiétée la movie star. Elle est pépère. Elle s'en bat les steaks. Pour le deuxième screen, dites-moi si c'est une première. Parce qu'il me semble que c'est une première sur les vidéos situation qu'on a un screen de Movie Star Planet 2. Mais je suis pas sûre. On avait déjà eu Block Star Planet, ça je sais. Mais MSP2, je suis pas sûre. Donc dites-moi si on a déjà eu des bugs MSP2 ou pas. Enfin bref, voilà le début des bugs sur MSP2, ça commence. Et comme vous pouvez le constater sur cette image-ci, on voit que la maison du coup est complètement buggée au niveau de la date parce qu'il y a marqué modifié il y a 737 678 jours. Alors je sais pas combien que ça fait, bah attends, on va voir combien que ça fait en année pour savoir si j'étais déjà née ou pas, mais... Non, non, je t'ai pas née, parce que ça fait plus de 737 ans, ça. Au moins, même beaucoup, beaucoup plus, mais attendez. Juste ici, la petite calculette, du coup, on fait 737 678 divisé par 365... 65, parce que c'est le nombre de jours que nous avons dans l'année, au cas où vous ne le saviez pas. Et ça fait 2021. Oh mon Dieu. Alors, soit MSP2 existait déjà il y a 2000 ans, avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu, on a fait une découverte, les gars. On a fait une découverte. Soit il y a un lien avec l'année 2021. Serait-ce donc la fin du monde? Peut-être qu'MSP2 nous transmet un message par là, je ne sais pas. Waouh. Mais ça voudrait dire aussi que la personne qui m'a envoyé ce screen a plus de 2000 ans. Est-ce un vampire? Waouh. On va finir sur quelque chose d'un peu moins rigolo quand même. Je rigole, mais c'est un rire nerveux. Du coup, on a reçu un message. Coucou ma quinzaine, tout d'abord, j'aimerais te remercier pour le bonheur et le divertissement que tu nous procures dans chacune de tes vidéos, qui sont d'ailleurs très diversifiées, même si en général elles sont casées dans le gaming. Je te sollicite à vraiment continuer ce que tu fais. Oh bah merci beaucoup. Ça se voit qu'au-delà de ce qu'on peut voir dans tes vidéos, tu es une personne pleine d'imagination, inventive et créative, qui aime rendre service aux autres et les écouter. Ah ouais, c'est vrai que je suis très créative. Ça, je pense que vous l'avez remarqué, chaque créativité est une nouvelle chaîne YouTube. J'aime bien me diversifier, je pense que ça s'est remarqué. Et enfin bref, trop de choses à dire sur ta personnalité. Je te laisse la suite du bug qui pour moi est très étrange. Personnellement, ça m'a perturbé, mais je pense plutôt à un hack qu'autre chose, à toi de donner ton avis. Si ça peut être partagé dans une de tes vidéos des situations, je ne dirais pas non. Il y a de quoi débattre sur la cause. Plein de bisous, ma citrone acidulée. Ben, merci beaucoup pour ton message. Plein de bienveillance et du coup j'ai regardé cette image, je ne peux pas vous la montrer donc je ne peux pas vous la montrer parce que bah déjà vous êtes trop jeune et de deux YouTube n'aimerait pas non plus. En fait c'est, je vais tout simplement vous dire, c'est une image qui est Peggy18 qui en fait il y a une personne qui a remplacé son avatar, enfin son profil, son image de profil de Movie Star par une image. Vous vous rappelez, il y a quelques temps ça arrivait très 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 souvent. C'est des gens qui utilisent un hack et qui peuvent mettre n'importe quelle image à la place de leur photo de profil de leur Movie Star sur Movie Star Planet. Et à ce niveau là cette personne a mis, alors je sais pas si quelqu'un d'autre peut le faire sur un autre compte ou on peut le faire uniquement sur son propre compte, j'ai pas testé le hack, mais a mis une image Peggy18.
Pourquoi j'en reparle alors qu'on en avait déjà parlé de ça, etc., etc. C'est pour vous dire que même X temps après, parce que si vous regardez ce mail, je l'ai reçu le 2 septembre, donc c'était il y a 2 semaines environ, au moment où je finis cette vidéo, et Movistar Planet n'a toujours rien fait par rapport à ça. Il y a encore des gens qui utilisent des hacks, et d'autant plus que ce sont des hacks qui sont absolument inadmissibles dans un environnement comme Movistar Planet, où il y a énormément de personnes très très jeunes qui seraient certainement très choquées de voir ça, et notamment, je pense, les parents qui seraient un peu choqués. Genre personnellement, moi, si je suis un parent, que j'ai un enfant très jeune qui joue sur ce jeu et que je vois cette image là sur le jeu, c'est limite, j'ai envie d'interdire à mon enfant d'aller sur ce jeu, tellement c'est pas sécurisé du tout. Enfin voilà, encore un message peut-être pour MSP, coucou si tu passes par là. Et on passe au message. Ici nous avons une situation de Draculaura Miam et on regarde le message qu'elle nous a laissé. Donc salut les situations, j'ai une de ces situations pour toi. Désolée vraiment si je fais des fautes d'orthographe, il y a maintenant plus de 2 mois j'ai rencontré une fille, je ne dirai pas son pseudonyme pour des raisons de sécurité. Je lui envoie un cadeau en mode échange et elle m'en donne en retour. Je la remercie bien évidemment et elle me pose la question suivante. Tu veux être VIP ? Je lui dis non, ça va. Elle insiste et je finis par la bloquer. Même pas 5 minutes plus tard, ça me déconnecte de MSP. Là, je décide de redémarrer mon ordinateur et je n'aurais jamais dû. En fait, pendant que je redémarrais mon ordi, elle a changé le mot de passe de mon compte. J'ai essayé en vain de me reco, mais malheureusement, c'était la fin de 5 ans de travail. Mon compte, c'était toute ma vie. Alors du coup, je me souvenais des pseudos de mes amis sur ce compte. Je les ai contactés. Je sais pas comment ça s'écrit. Et tout raconté, ils ont donc bloqué cette personne et depuis ce jour-là, je ne fais confiance à personne. Ça m'a aidé vraiment à bien tout comprendre et maintenant je ne regrette rien. Merci encore, j'adore tes vidéos et continue comme ça, t'es la best et n'oublie pas, vive les citrons. PS, le compte que j'ai perdu s'appelle Oukil209 niveau 14. Eh bien écoute, déjà je suis désolée pour toi, pour ton compte et du coup je sais pas si j'ai omis un détail ou pas parce qu'en fait la fille tu l'as bloquée. Donc du coup, tu ne lui as pas donné son mot de passe de ce que j'ai compris, mais elle a quand même réussi à se connecter sur ton compte. Et à la fin, tu dis « ça m'a aidé vraiment à bien tout comprendre ». Ça veut dire que il y a peut-être quelque chose que tu nous dis pas. Est-ce que tu aurais donné ton mot de passe? Est-ce que tu aurais mis son mail dans tes emails et c'est comme ça qu'elle t'a piraté? Comment elle a fait pour accéder à ton compte? Parce que là, tu nous dis pas vraiment, à moins que ton mot de passe était lol123, et là, malheureusement, hein, c'est un peu embêtant. Mais du coup, ouais, il y a un petit détail qui manque, je pense, et à partir du moment où quelqu'un qui dit tu vas être VIP, là, ça pue déjà beaucoup. On a un message de Noël Chiska qui dit qu'elle a acheté un ticket VIP et elle s'est déconnectée du jeu parce qu'elle a les dodos. Elle se reconnecte et elle a plus le VIP. Et ce qu'elle avait acheté, ni les trucs, ni les Starcoins, ni le vif, enfin plus rien quoi. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'un ticket VIP, tu peux pas vraiment acheter un ticket VIP, c'est un pack que t'achètes, donc je comprends déjà pas par rapport à ça. J'ai un doute éventuellement parce que effectivement il y a un objet en boutique qui est en forme de ticket VIP. Alors est-ce que t'aurais pas genre juste acheté cet objet là dans la boutique de MSP ? En croyant que c'était un ticket VIP à offrir ou à utiliser, je ne sais pas trop. J'ai pas hyper bien compris, en tout cas. Par contre, pour le reste, c'est vrai que c'est pas normal. Et on finit avec la situation de la BG Kinder. Bonjour, Kinzar. Alors, chelou, je suis co-sur-tel. Je reçois un cadeau d'une de mes potes et je vais voir. Je reçois une animation. Je la remercie. Je vais dans ma room pour la tester. Et comme je m'ennuyais, j'ai testé toutes mes animes. Et là, je vois que dans Pause, il y a 2 animes rares, peut-être pour garçons. Alors, je me découvre au co en croyant que c'était un bug. Je repars dans ma room et là, je revois les animes. Alors, voilà ma situation. Bisous. Je vous aime trop, Madame Toilette et Quinzel, en espérant passer dans ta vidéo. Ben, merci beaucoup pour ta situation. Je voulais quand même finir avec cette situation pour te dire que si tu veux, éventuellement, tu peux m'envoyer sur mon mail des situations les deux animations que tu penses peut-être être pour garçon ou rare. Et on pourra regarder, mais il me semble que les animations, c'est pas genré. Dites-moi, j'ai vraiment un doute, dites-moi en commentaire. Mais il me semble que les animations, c'est les mêmes pour les garçons que pour les filles. Il n'y a pas genre que des animations pour garçons ou que des animations pour filles. Il me semble que les animations, c'est pour les filles et les garçons, peu importe l'anime.
Dites-moi, je pense que c'est ça, donc c'est peut-être plutôt un rare, ou peut-être que tu penses que c'est un rare, parce que c'est vrai que des animations, il y en a énormément sur le jeu, il y en a vraiment beaucoup beaucoup, donc il y en a sûrement plusieurs que tu ne connais pas, que tu as même peut-être jamais vu, et même moi, il y en a plein que des fois je découvre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, gros bisous à vous, et ciao ciao!